Bonjour, Bonjour, Loïc Louis Haber, je Kader, vous and I'm propose going de to vous show you présenter today une a petite recipe for recette a dessert vient de chez from moi, my home puisque in c'est la Brittany, recette du France, far the breton. Breton Far. Alors, le far breton, So c'est this Breton extrêmement Far, a simple et en traditional plus ça coûte cake, pas is cher, very simple to à do. It savoir, vous doesn't allez cost avoir very besoin de much. quoi? Vous allez So what avoir will you need? besoin You'll need de 1 150 and 3 grammes de quarter cups farine, of flour, 1 litre a de quart lait, of milk, 180 grammes one de cup of sucre. sugar, 5 5 œufs, eggs, du beurre, butter, si possible breton, better if le it's top salted, étant qu'il soit even salé, better if it's si vous avez du French. demi-sel, ça passe But aussi, I le do beurre not doux est recommend déconseillé, unsalted mais ça butter. fonctionne aussi. Et And prunes. des Yes, pruneaux. prunes. Alors vous pouvez également bien You sûr can mettre des also use raisins, raisins. il y en a même qui mettent Other d'autres choses, Bretons use mais even enfin other stranger la recette ingredients. originale, on va dire, But the c'est original des traditional recipe pruneaux. uses Et vous prunes. pouvez, en fonction de vos You can goûts, mix mixer, too. mettre pruneaux, I like raisins. Moi, ce using que je fais half d'habitude, c'est que je prunes, mets moitié half pruneaux, raisins. moitié raisins. Enfin, là, on va en But faire en today it's pruneaux. prunes. Alors, vous allez voir, c'est extrêmement So, as simple. you'll see, it's Première really chose à easy. faire. The first thing. Alors, on va, je vais I'll ranger un petit clean peu this tout up a little. ça. On va commencer We'll par start by. hop, mélanger notre We'll start by farine mixing the avec flour notre with the sucre. sugar. Alors, comme vous l'avez pu le voir dans la As you petite may have fiche que vous already avez noticed également in the avec, recipe that you can print on va out, mettre 250 grammes de I'll farine. need 1 and 3 Alors, quarters cups of 250 flour. grammes de So 1 and 3 farine, quarters sucre, cups farine, flour. 250. Hop. Ok. Voilà. On n'oublie pas de bien And don't forget refermer. to close the flour tightly. Voilà. C'est plus propre et ça se It's conserve mieux. cleaner and it stays fresher. Alors, on avait dit 250 So, grammes we de farine, on est said bien one d'accord. and three quarter cups of flour. Avec ça, on And with va that, mettre we'll add 200 grammes one cup de sucre. of sugar. Alors, le Okay, sucre, where's c'est the où? Sucre. sugar? Sugar. Ça, c'est très It's pratique, very c'est une practical, enceinte. this little measuring device. Parfait. Perfect. Voilà, 200 grammes de One cup of sucre. sugar. Et on va mélanger gentiment tout ça. And we'll mix this all Alors, pendant together. ce temps-là, vous faites préchauffer Now, votre during this four time, hein, preheat your aux oven to alentours de about 180 degrés. 180 degrees Celsius or D'accord? 325 Fahrenheit. Donc, pendant que votre four While the oven chauffe, heats, on va mélanger tout we'll mix ça. all this. Alors, ce qui est important, c'est Now, the de bien important thing mélanger la farine avec is le to mix the sucre. flour Pourquoi? and the Parce que comme sugar ça vous really évitera well together de to vous avoid battre contre clumps les later grumeaux on. ultérieurement. Hein? Il est important It's à chaque important to étape mix de bien, very, bien, very, bien very well mélanger. at every Alors, le top, stage vous of this voyez, c'est un recipe. bout de plastique comme ça ou Now, a autre, hein, good wooden avec spoon une bonne is vieille cuillère en perfect. bois. Et hop, vous voyez, And give a good donne le tour à spin in the l'intérieur bowl, comme ça. like this. Tac, voilà. Là, on commence à être Ah, pas it's starting mal. to get there. Ok. Alors, So, hop là. Après, ce after, qu'on va what we'll faire, c'est do, qu'on va mettre we'll les add the 5 œufs. five eggs. Hop. Alors, on Oh, enlève la I'll take out the spatule. spatula. One. Three. Four. On progresse. Oh, we're getting there. Et And 5. five. Voilà. Pof. Alors, si vous êtes So, bien if débrouillé, you're vous good, you n'avez shouldn't have any bits of aucune shell. coquille. Si vous avez merdé, vous If avez you're plein de not coquilles à so good, l'intérieur. Alors, you avant might have little d'enlever, bits of surtout, c'est shell là où il in the faut aller mix. chercher les coquilles, si éventuellement il y en a. Parce qu'après, c'est mort, vous And n'arriverez plus à les as you récupérer. mix, get out those Et pieces of même shell si ça now if there are croustille any. après It's dans le now or far, never, c'est since jamais bits of très eggshell cooked agréable. into your cake Alors, are donc not very là, presentable. je suis un professionnel, donc il n'y a pas de But since I'm a coquilles. professional, there's no Et eggshell. on va crever les And be jaunes, sure to break bien the sûr. yolks, of course. Voilà. Et là, on va And now mélanger we'll mix all this together. directement. Voilà.
qu'il faut maintenant ici. Alors toujours okay. la bonne Always méthode the pour old mélanger. Fashioned way of beating. Hop, un bon mouvement comme a ça. Good movement like that. Et ce qu'il faut, c'est Now what's important bien, is to bien, mix bien, very, bien very, 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 very well voilà, together. C'est ici que vous faites la chasse It's now that we hunt the flower clumps. Alors, faut pas hésiter. Don't hésiter. Allez. Ah, a little pas, exercise parfois, doesn't hurt. Bien. Pas trop souvent, mais quand Not même. Too often, but... Voilà. Encore. A little more. Allez. Come on. Il reste encore quelques petits A few clumps left. Allez, alors ne pas oublier de bien Now, aller don't forget le fond to scrape the bottom. Pour bien aller récupérer to get the flour and the sugar that are stuck on the bottom et of the bowl. Le sucre au fond. Parce que Because si on if le fait we don't pas, do it now, the fire can get chunky. Donc bien racler les bords, so scrape the sides bien and fond, the bottom of the bowl. Et ne pas hésiter à en faire and presque don't worry about scraping too much. Hein, it will façon, not make the dough rise. Pas. Vous êtes tranquille. You're looking good. Allez, encore Come on, un peu. A little more. Voilà, ça vous fait It des should make bulles. Little bubbles. C'est complètement It's totally normal. Alors, vous voyez, voilà ce so here's what we should get. C'est vraiment un liquide. A perfectly fluid liquid. Ouais. Et il faut que ce soit parfaitement fluide. Enfin, parfaitement well, fluide. Maybe not perfectly fluid, hein. But you know. Mais il ne faut pas qu'il y ait trop de... d'amalgame. Sinon, après, dans le phare, c'est pas bon. However, mixing too much isn't Alors, so great ça, on en a déjà mis partout. I got some on the counter. I'll clean peu. That up. OK. Et ce qu'on va so, faire, c'est what qu'on we're va going to do now chauffer is we'll heat our dish. Alors, on reprend notre beurre so salé. We'll take our salted butter. On prend notre beurre salé. On en met un bon morceau. And put in a good chunk. Voilà. Hop. Tac. Clac. Voilà. Hop. Et on va enfourner And ça. And we'll put that in the oven. Hop. Voilà. On va le laisser 10 petites And leave it for about 10 okay. minutes. Alors, on redonne un petit coup. Okay. And another beating. C'est vraiment le moment This is really the crucial moment C'est for the far. C'est le moment où vous avez mélangé It's the moment when we've added the eggs, the sugar, bien, and the flour. Bien, bien remuer et bien and mélanger. We really have to beat voilà. and mix okay, the dough well. Pour doser, ça va pas okay, être très compliqué. After. So to measure this, it's not really complicated. On va rajouter un litre de lait. We'll add a quart of milk. Complet. Or a liter of Alors, milk. Je déconseille Now, le lait entier. I do not recommend using whole milk. Par contre, il est hors de question de faire But ça avec du lait. But it is out of the question to use skimmed milk. Le goût sera immangeable. Et les faux laits, je n'en Now, parle même the taste will be uneatable. Mais le demi éclairé, And c'est pas mal. Definitely not figure powdered. Bon, maintenant, so, si on a good compromise is half milk or partially skimmed milk. Alors, If you like richer foods, then why not whole okay, milk? OK, donc là, on va so, remuer. We'll mix this again. Par contre, on va y aller beaucoup plus calme. But much slower this time. On a Because un liquide. Now we have a liquid. Quand même, voyez la consistance. Notice the consistency. C'est vraiment... C'est assez liquide. It's pretty liquidy. Et alors là, faut pas hésiter. So don't à hesitate son to stir much more slowly this alors, time. Calmement et à faire pas mal de tours. And going okay. around the bowl. Voilà. Voilà pour que tout ça vienne gentiment. Voilà. But still mixing well. Alors, comme on peut le constater, And you moi, might je be le vois able to notice, well, moi je le vois I bien. Can tell. Maybe you can't see. Quelque chose qui est assez liquide, dans lequel il n'y a pas But de. But I now have something that's quite liquidy. Éventuellement, And no clumps. Pour ceux qui se seraient plantés, so, et qui if auraient you have clumps à at this point, vous you pouvez, can si use vous a whisk to beat fruit, the mixture a little more. Et battre ça un petit peu. Alors, le, vous allez galérer. It might be too much effort for c'est pas très grave. Too little result. C'est a few clumps in the dough isn't really that bad. Avec le temps, y a pas de problème. It's your first far. Mais They'll get better with time. Là, don't avec worry. Un engin, voyez, comme ça, par exemple, But at this point, with a machine like that, si souhaitez, or a whisk even, coup, for example, you can beat the mixture again if you like je le fais pas, to get out pas the remaining clumps. Puisque j'ai pas de But I don't have any clumps. Ok. Alors, voilà. Et là, on doit être pas mal. And it's looking pretty good. OK.
Alors, Okay, that's done. Voilà, qui est préparé. Alors, on va Okay, voir ce que donne so notre we plat. have our Notre plat, dish. est-ce que... Let's Voilà, see if il va être it's chauffé, c'est perfect, parfait. it's hot. Alors, attention, faut Okay, pas laisser trop warning, longtemps. don't leave it Il in faut too surtout long, pas que votre beurre or else the noircisse. butter will blacken. Si par hasard votre beurre a If your noirci, butter happened to c'est pas blacken grave. in your pan, Vous that's nettoyez okay. et Clean vous the en remettez un pan autre. and start over again. Hein? Vous voyez, moi, mon Okay, beurre, là, so if you notice my il y a butter, encore un bout up there's still a chunk. qui est, enfin, vous voyez peut-être pas très Maybe you bien, can't see it that well, qui est but it's encore still solide. solid. D'accord? Okay? Voilà. Vous voyez? See a Encore solid un chunk. bout solide. Donc, là, vous allez prendre un bout de So take a sopalin paper towel et vous allez faire en sorte and qu'il y ait du spread the beurre butter de façon so that it's relativement homogène pretty sur much distributed l'intégralité du over the plat. whole pan. Alors ça a deux intérêts. Two Premier, reasons. ça donne un petit goût qui est sympa. First, because the butter Et adds good deux, flavor. ça empêche que And le two, plat it prevents the flour from sticking. soit so you can remove accroché. it much more easily. Ça vous permet de sortir votre fard plus facilement. D'accord? Alors, comme vous pouvez le constater, okay, j'ai as you mis may pas have mal noticed, de beurre. I used Pourquoi? a lot of butter. Parce que quand vous Now regardez why? mon sopalin, Because il est if you look at my imprégné de paper beurre. towel, it's Voilà. soaked with Donc, butter. si vous ne mettez If pas you assez don't de use beurre, enough et bien, butter, tout va être bouffé par le all of sopalin it will get et il n'y en soaked aura up by plus dans the votre paper plat. towel and there Donc, won't be any n'hésitez left pas to à spread être un around petit in the peu pan. généreux, quitte Don't à en jeter hesitate, un petit be peu de generous sopalin. with the butter. Voilà, là on a quelque And chose qui now est it's pas getting mal. good. Ok? Okay. Alors, toujours pareil, So, same thing, poubelle. trash. Alors là, on va So remuer now un we're petit going peu. Il y a une petite pellicule to blanche qui s'est formée mix it pendant ce again a temps-là. little bit C'est because there's a normal. small white layer that is formed, but Et that's hop, normal. on verse. Doucement, And pas now trop we're going vite, to pour parce this que si vous allez carefully, trop vite, but finalement, be vous allez careful, not too virer complètement fast, le beurre. because if you go too fast, Hein? Voilà, on y va doucement, the butter will tranquille. shoot up the sides. So, On okay, éteint la bourre. slowly, carefully. Tout va We're bien, not in on any n'abîme pas. rush. Voilà. Alors, je vous conseille de Okay, ne pas mettre le I recommend not fond putting de in the very dissoudant là bottom of où the on se bowl retrouve quand même avec les because derniers that's where the grumeaux mixture is the chunkiest. Résultants, on va dire. Donc, vous voyez, moi j'ai quasiment tout So, mis, hein. as you can see, Mais, I put in on en jette almost everything un tout petit peu except à la the fin. very last bit. Ok, ce qui est pas mal quand vous faites ça, prenez la bonne vieille habitude, And hop. I use the good habit of soaking my dishes as Et I go. tout de suite dans la flotte, comme ça baigne. Alors, on avait dit qu'on le faisait au pruneau. So, I'd said we'll Donc, do this with prunes. So we'll add some maintenant, prunes. On va rajouter quelques pruneaux. Alors, les pruneaux, bah, okay, c'est pas dur, the prunes, il suffit de les mettre dedans. Not difficult. À une exception Just put them près. In with one exception. Vous les mettez dedans You have to un add them à one un. By Pourquoi one. Un à un? Parce que si Now, vous why do I say commencez à one les by balancer one? par poignée 1, ça va gicler Because partout. if we throw them in by Et the deux, vous handful, allez vous retrouver one, avec des paquets it'll de pruneaux. splatter. Et le And pruneau, c'est two, pas mauvais, mais they'll c'est quand stay même clumped sucré. together. Et And quand a vous prune isn't avez bad une for part de you, phare but it is où vous quite n'avez que des sugary, pruneaux, ben and c'est a pas piece très of bon. far with just prunes Donc, isn't so good. faites-les un à un So add them one by one, pour qu'ils soient bien so that espacés. they're all really spread Voilà. out. Bon, vous chargez en fonction de votre Add convenance, however many you want, mais allez-y cool. But hein? Les don't go phares où il y a overboard, trop de pruneaux, because c'est pas a très bon far quand même. with too many Ok, prunes faut qu'on puisse sentir le goût de isn't l'œuf. great. And voilà, we need voilà. to be able to taste the Alors, eggs. donc là, on est prêt. So now we're ready. Et on va donc remettre son four sur une So heure. We'll put the oven timer on voilà, one donc hour. Toujours à still 180, at 325, 330. Et on va enfourner. And we'll Hop. put it in. N'oubliez pas que le And pain don't est chaud. forget the pan is hot. Ne vous brûlez Do pas, not ça burn serait yourself. Intraitable. That wouldn't be great. Voilà. Voilà. Attention aux à-coups. And be careful not to slide the pan too avoir. quickly. Et résultat, or else on half a of la the flour might moitié find itself on the bottom dans of your le four, oven. ce qui est pas très sympa. It's Et not nettoyer, great, especially pas for the cool cleaning du tout. part. Voilà. Voilà. Donc maintenant, so we didn't on get a it everywhere. Partout, We're happy. On est We have a beautiful on flour. Beau It'll cook for an on hour. A pour une heure de cuisson. Donc ce que je vous propose. So, I recommend we let this cook for an hour and come back when it's done. À tout à l'heure.
Okay, donc Okay. voilà, on a attendu So une we've heure waited et an notre hour, phare théoriquement and est cuit. theoretically, Alors our comment fire is vérifier done. notre phare est cuit? C'est très So how simple. can we tell if it's Vous prenez done? un petit It's couteau quite de simple. cuisine Take a classique, butter knife, a clean ou one, autre, that's important. bien propre, c'est important. Hop, et ce que vous allez And faire, c'est que vous allez le we're going to poke plonger the dans le fire phare. with the knife. Hop, comme ça. Just like Voilà. that. Ok. Et là, vous allez regarder la And now lame. we're going to look at the blade. Et si vous avez des dépôts sur la And if lame, there's bits of hein, fire that have stuck to important, the knife, là, il n'y en a quasiment pas, ça veut dire que votre fer n'est pas that cuit. means it's not Par done. contre, si c'est comme là, vous voyez, Now, I don't où have any, finalement, if you can see. le couteau est presque So if propre, the knife comes out clean, hein, il y a des petits or dépôts pretty de much quasiment clean, rien, ça veut you dire know, qu'il est tiny cuit. bits are really nothing, D'accord? that means it's Alors, done. au bout de 3 quarts d'heure, vous avez commencé à So after sentir 45 minutes, you should start de l'odeur smelling du the phare qui wafts of commence à threatened remonter. fire. Donc là, ce que vous Now what pouvez you faire, can si do, vous voulez avoir you can, if you prefer a dessus fire a little bit un peu plus more grillé, on va dire, un peu grilled, a plus, little bit hein, more cooked, vous pouvez remonter un peu you can turn up the votre heat thermostat et to monter about jusqu'à... Vous voyez là, on est monté jusqu'à presque 210. 210 Alors attention, les Celsius or fours 375 d'amas qui sont Fahrenheit. chaleur tournante, pas... Bon, ça, ce que Be je vous careful donne, though c'est with valable whatever kind of pour... oven you have. Un four qui n'est pas But that's chaleur good for most tournante, hein, ovens. pour un four chaleur 325, tournante, 350. 180, ça suffit, Anyway, voire 400 190, degrees 210, maximum. 220, grand maximum. Si vous montez au-delà, vous allez Any tout higher cramer. And it'll all burn. D'accord? Alors, je vous montre un petit So peu I'll le show you the result. Donc là, hop, on a So fini. the fire is finished. Hop. Et on va sortir And notre we'll pull it phare. out of the oven. Tac. Alors faites gaffe, c'est So très be careful, chaud. It's very hot. C'est très chaud et Very c'est hot lourd. And very heavy. Voilà. Hop. Tac. Voilà ce qu'on obtient. So here's what we get. Vous voyez? Voilà, Something un petit like côté, this. Un peu comme ça. Voilà. Il est un peu gonflé, So it's un peu risen comme a un little. Soufflé. It's a little bit Il like a soufflé, tout seul, but that's totally normal. It'll go back down. Donc, soit okay? il n'est pas encore So complètement either cuit, it's not ce que vous totally pouvez faire, ce cooked, qui est pas mal. and ce que what you je vais can faire, do, hein. you can, c'est well, I'll go vous ahead and do éteignez the votre same. Four, Turn off the oven. Carrément. Et voilà, même complètement. Totally et off, and on put it le back remet un in petit to coup cook a little bit et longer. On le laisse finir dans le four. You Voilà. let it cool, actually. Refroidir just letting it cool in the oven. L'intérêt, c'est que si vous faites ça, vous allez avoir doing quelque this chose de helps plus compact, the fire to become d'accord? more compact as Si it vous cools. laissez refroidir directement en Letting it extérieur, cool directly out un of the peu vite, oven vous risquez d'avoir might quelque chose give pour it 2 étages. two-layer effect. Alors que si vous le But laissez letting it au cool for four half an tranquillement hour pendant encore une demi-heure tant que ça in the refroidit, warm oven, vous we'll aurez have a quelque more chose de plus léger. homogeneous fire. Voilà. Et So, écoutez, sur on ces that belles note, paroles, bon appétit. Bon À appétit. bientôt. Thank you very Merci. much. Au revoir. And au revoir.